Good morgen, allez, Yiden, les sucres aujourd'hui, les longs nishmat, Richard, Aaron, bonne fortune, Mazal, ainsi que leur foi, Tranale, Abed, Kitel, Deborah, Sarah, Bad, Nechama, et Ephrat, Batsara, Betoch, Char, Cholé, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, vivre la prochaine étude de Mishnah protecteur, 5 minutes éternelles, nous étions Maserat Shkalim, Perek Aleph, Mishnah, Gimel, Barishona, Aïm, Bachamisha, Sarbo, Shulchanot, Ayu, Yoshvin, Bamedina, Besrim, Ramisha, Yashvou, Bamigdash, Mishé, Yashvou, Bamigdash, Itrilou, le Mashken, et Mime, Mashkenin, Lévim ve Israélim, Gerim ve Avadim Meshucharim, Avalonashim ve Avadim Uktanim. Kol Katan Sheitchil Aviv Lishkol al Yado, Shuv enoposek. Ven me Mashkinin et Akohanim, Mipenei Darke Shalom. Depuis le premier Adar, c'est la première Mishnah, on avait diffusé, publié qu'il fallait commencer à se soucier d'apporter le Machatzit HaShekel. D'accord? Du coup, on a laissé 2 semaines de battement. Et puis, Bachamisha Sarbo, à partir du 15 du mois, donc du mois de Hadar, Shulchanot Hayu Yoshvin Bamedina. Shulchanot, c'est des tables, mais c'est pas des tables en fait, je vais vous expliquer c'est quoi dans 30 secondes. Hayu Yoshvin Bamedina, il y avait des tables, étaient installées dans le pays, littéralement. Il y a deux choses à expliquer. D'abord, Shulchanot, en fait, c'est des changeurs d'argent. Ils avaient des petites tables à l'époque. On appelle toujours le Shulchani. Dans le chasse, on le rencontre fréquemment. Shulchanot, Shulchani, c'est celui qui s'occupe de changer l'argent. Donc, tu dois porter le Machzit HaShekel. On aura l'occasion d'expliquer exactement quel poids et tout ça. Donc, puisque tout le monde doit apporter un Machzit HaShekel, il faut se soucier d'apporter des échangeurs d'argent, des change. Et du coup, aussi récolter l'argent. Ils récoltaient eux-mêmes l'argent. On installait donc des tables dans le pays. Dans le pays, il y a deux interprétations. Le partenariat porte deux interprétations. Un qui explique que c'est juste à Yerushalayim, dans toute la ville de Yerushalayim, par opposition au Beth Amikdash, qui n'est pas le Bamedina. Et il y a une deuxième interprétation du Rambam, que Bamedina, c'était dans toutes les villes. En fait, dans toutes les villes, à partir du 15 du mois, on installait des petits bureaux de change qui s'occupaient de récolter l'argent de ceux qui voulaient payer le Machzit HaShekel. Jusqu'à quelle date? Besrim Hamisha. Yashvou Bamigdash, à partir du 25 du mois, ça y est, c'est fini, on les rapatrie, maintenant on les renvoie au Beth Amigdash uniquement. Celui qui n'a pas payé jusqu'au 25 du mois, il ne pourra plus payer dans sa ville ou même dans la ville d'Yerushalayim, il devra partir nécessairement à la trésorerie qui se trouvait au Beth Amigdash. Étant donné que le dernier délai approche, puisque c'est le premier Nissan qu'il faut maintenant avoir tout l'argent récolté, Alors, on ne laissait pas ça de manière trop ouverte. Plus la date approchait, plus on restreignait les facilités de paiement. Comme ça, les gens devaient réaliser qu'il fallait commencer à se bouger à partir de vite. D'accord? Donc, Misha continue en disant, Misha Yashvou Bamigdash, Itrilou le Mashken. Depuis le moment où les changeurs sont arrivés au Beth Amigdash, et maintenant le seul moyen de payer est de partir au Beth Amigdash, alors Itrilou le Mashken ont commencé à se soucier de faire des saisies de biens. Pour celui qui n'avait pas encore payé le Machzit HaShekel, c'était un devoir de le payer. Celui qui n'avait pas cotisé, on commençait maintenant à lui coller le fisc, à lui qui partait lui saisir ses biens. Et Mim Mashkenin, qui va-t-on saisir à entendre en fait? Qui a le devoir de payer le Machzit HaShekel? D'une part. Et aussi, plus que ça, parmi ceux qui ont le devoir de payer, on va apprendre qu'il y a certaines personnes qui ont le devoir de payer, mais que s'ils ne payent pas, on ne va pas oser leur faire une saisie des biens. D'accord? Donc la Mishnah me jette maintenant directement dans le top. Qui a le devoir de payer jusqu'à lui faire une saisie des biens? Et Mim Mashkenin, qui a le devoir de payer? Alors en fait, c'est en réalité tous les juifs, hommes de plus de 20 ans. Ça, c'est l'obligation. À inclure donc. Lévi'im, les gens de la tribu de Lévi. Veisraelim, et même les Israël habituels classiques. Gerim, les hommes convertis. Vaavadim Meshucharim, les esclaves qui ont été affranchis. Par contre, Avalonashim, Vaavadim Uktanim. Mais ni les femmes, ni les esclaves, qui sont encore asservis, et ni les Ktanim, les enfants. On explique un petit peu mieux. Non, d'abord je finis la Mishnah, comme ça prendre une vue globale surtout. Donc, c'est clair pour le moment, en fait, on a dit tous les hommes, si vous faites attention, on a sauté les Kohanim, parce qu'on va en parler à la fin de la Mishnah. On a mentionné, en fait, tous les hommes de plus de 20 ans. C'est déduit ça
essentiellement que Kol a ouvert la Pekudim ben Esrim Shana Vamala itenet Terumat Hashem. Donc c'est écrit explicité dans le pasouk, mi ben esrim shana vamala, le devoir, l'obligation de payer à partir de 20 ans. Moins que 20 ans, pour les hommes, on n'a pas le devoir. Du coup, aussi il y a marqué ish kofer nafsho, les hommes et pas les femmes donc. Donc un homme plus de 20 ans, maintenant quelle que soit sa classe sociale, enfin son comment sa tribu, Lévi, Israël, Guerre, Eved, Meshuchar. Par contre, ni les femmes sont exclues parce qu'on dit ish, donc ish et pas isha, ils n'ont pas d'obligation. Vavadim, les esclaves, parce qu'il y a une grande règle que les esclaves ont les mêmes devoirs que les femmes exactement, il y a une juxtaposition dans la Torah. Le devoir des mitzvot des esclaves, c'est comme les femmes. Les esclaves n'ont pas le devoir de mettre les tefillin tous les jours, par exemple. Parce que les femmes n'ont pas le devoir de mettre les tefillin. Pardon. Uktanim, et aussi pour les enfants. Mais alors là, pour les enfants, il y a quelque chose de très particulier. Quelque chose de particulier, c'est que Kol Katan Shitri la vive l'ishkol al yado, shuv et no posek. Toutefois, peut-être qu'il manque une petite jonction entre les deux, c'est d'expliquer que malgré tout, même ces personnes qui n'ont pas le devoir de payer, s'ils veulent payer, ils peuvent payer. Il y aurait quelques conditions qu'on évoquera tout au long du Pérec, mais une femme qui a envie de donner le Mahatsé Shekel, elle a matériellement la possibilité de donner le Mahatsé Shekel, elle n'est pas interdite, elle n'a pas d'obligation. Il faudrait juste le donner comme il faut, comme ça on apprendra. La Mishnah me rajoute sur ça que Kol Katan, Sheitril Aviv Lishkol Aliado, s'il y a eu un enfant, que son père, une fois, il a commencé à donner le Mahatsé Shekel pour lui, eh bien, Shuv et Noposek, il ne pourra plus s'arrêter, il devra continuer à le donner. Shuv et Noposek, et c'est pas précisé, est-ce qu'il doit avoir plus de 13 ans ou pas. Soit, et on abandonnera plus les. C'est-à-dire dans la Gemara, on donne trois niveaux pour les enfants. Moins de 13 ans, il est dispensé. Plus de 13 ans jusqu'à 20 ans, il a le devoir de payer. Mais. On ne va pas imposer, on ne va pas lui faire une saisie de bien, ni lui ni à son père, et après 20 ans, il a l'obligation. C'est comme ça que ça rapporte on le déduira plus loin qu'on arrivera dans la Mishnah de Delet. Pour le moment, et la Mishnah me dit comme ça, sache que malgré tout bon, à moins de 20 ans, on n'impose pas au père, c'est-à-dire on n'impose pas au père de payer pour le fils, on ne va pas lui faire une saisie de bien ni rien. Mais si toutefois il a commencé à payer, eh bien on va lui dire maintenant qu'il a le devoir de payer. Le Menechet Shlomo rapporte au nom du Marash Sirleum, qui nous dit que malgré tout, on ne va pas faire une saisie des biens pour le père, même s'il a déjà commencé à payer. D'accord? Voilà pour le Katan. Et maintenant, dernière partie de la Mishnah, c'est Ve'en me'mashkenin atakohanim mi'penei darkei shalom. Et par contre, on ne fera pas de saisie de biens chez les Kohanim, mi'penei darkei shalom, à cause des bonnes relations avec eux. C'est-à-dire, en fait, ils ont une obligation totale de payer les Kohanim. On en reparlera dans la prochaine Mishnah, qui a eu des Kohanim qui ont cru qu'ils étaient dispensés. On en fera plus les détails après pour expliquer qu'est-ce que c'est venu exclure, en fait. Mais en tout cas, la Mishnah nous dit sache que tu as une obligation complète. Les Kohanim, ils doivent payer leur cotisation du Mahatsé Shekel, comme les Béné Israël. Cependant, on ne va pas leur faire une saisie de biens s'ils n'ont pas payé, afin de rester en paix avec les hommes d'Hachem, qui sont là pour travailler au Beth Amikdash pour nous. Donc du coup, on ne va pas leur faire une saisie de biens. Vous allez me dire, mais alors quoi, il va y avoir des juifs qui ne vont pas avoir de part au korbanot. Alors, on aura quelques solutions, essentiellement, on évoquera plus longuement l'idée dans les prochaines Mishnayot plus loin, mais que lorsque on va faire la Troumat Alishka, qu'ensuite on va prendre l'argent pour retirer ce korbanot, on va le prendre avec intention de dispenser, d'acquitter par là, de donner une part à ça, à tous les Israël, même ceux qui n'ont pas encore payé leur Mahatsé Shekel. D'accord? Mais les Kohanim ont quand même leur devoir de payer, même si on ne va pas leur faire une saisie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.